Ça y est, on est samedi, veille de concours. Demain, c'est dimanche. On est à Mâcon, en club de Grand Prix. Je vais pas m'étaler parce que si vous saviez tout ce que j'ai à faire, j'ai un milliard de choses à faire cet après-midi. Je dois aller au cheval. Je dois faire un stretching, préparer toutes mes affaires, graisser mes cuirs, nourrir Pépite, commencer à faire juste les couettes des pions parce que demain, j'ai le temps, je pionterai demain. Lui faire le shampoing parce que les sols sont secs, donc je peux lui faire ce soir. Ensuite, je dois aller faire les courses parce que je dois acheter des sacs de carottes et de pommes pour Pépite et un truc pour un apéro ce soir parce que vous allez voir ce qu'on fait ce soir. Ensuite, je rentre charger tout ça dans le camion ou s'il est pas là dans ma voiture, je vais voir ce que je fais. Et là, c'est là que c'est la course. J'espère ne pas rentrer trop tard pour avoir le temps de retourner chez Papou et Mamou pour pouvoir me doucher et me changer parce qu'après, je retourne au centre équestre parce qu'il y a un anniversaire surprise. D'ailleurs, je vous filmerai peut-être des moments, ça peut être marrant. Donc bref, écoutez, c'est parti, let's go pour le petit vlog, on y va. Bon allez, première étape, aller au cheval et faire tout ce que j'ai à faire au cheval dans la première partie de l'après-midi. C'est parti. Oh là là, les gars, j'arrive au cheval, il y a un vent de malade, ça va être l'enfer. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a meal. Tu sais que tout le monde m'a dit, c'est qui la fille dans ton vlog? T'aimais trop. T'es ma copse. Bon allez, on va chercher le gros au pré pour notre petit stretching d'avant concours. Regardez, j'ai mon assistant préféré avec moi. Ça va, dans le pré ils sont coupés du vent un petit peu, mais au centre c'est vraiment galère. Non, il est propre encore, je l'ai brossé hier, il s'est pas roulé. Je suis contente. Pépite, regardez mon bébé, il mangeait. Ne me regarde pas comme ça. Faire le stretching. Ah ok. Allez Pépite. Pépite, t'es pas coopératif là. You should be here with me. T'es vénère. C'est le vent qui t'énerve. Le vent qui t'énerve mon cœur. Oui, me lèche pas le nez. I'm waiting for the special touch you get. I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will. Les gars, ma séance c'était une cata. Avec le vent, je peux rien faire. C'est pas grave, mais bon. Il y a eu un changement de programme pour demain. Je décèle et on vous explique avec l'autre Maë Pépito. Je suis en situation de stress post-traumatique pour demain. Est dans l'écurie, il faut que je lui fasse les crins et il va manger, mais là il est survolté. Non mais regardez, hé, monsieur, c'est bon. Il y a trop de vent dehors pour pionter, donc je vais lui faire dedans et il va manger pendant ce temps, ça va le calmer. Oui, je sais. Je vais vous montrer ce que je mets dans le seau de Pépite en ce moment, ta ration quotidienne. Tout d'abord, je lui mets environ 1 litre et demi, 2 litres de grains. Comme grains, je prends les Old Master de chez Lambet. Parce que c'est des grains spécialisés pour les vieux chevaux tout simplement. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc ils sont vraiment top depuis que je les ai. Vraiment Pépite n'a pas reperdu de poids. Donc très bonne chose. Ensuite je rajoute 75 ml et 25 ml de Vitamix. Donc c'est des compléments pour les défenses immunitaires. Et dans cette cure il y a deux types de grains à mettre. Ensuite on va mettre du curcuma.
Donc le curcuma, c'est pour son arthrose surtout, et un petit peu pour tout ce qui est viscéral. Après, je viens ajouter des électrolytes parce qu'en ce moment, je le trouve un petit peu creusé et il boit un peu moins à la fin des séances. Donc je sais pas, je préfère lui mettre des électrolytes. Ensuite, petite cure de red cell en ce moment parce que je pense qu'il est un petit peu fatigué. C'est pour ça que j'ai complémenté aussi en défense immunitaire. Et enfin, je mets beaucoup d'eau pour lui faire une soupe que je laisse tremper une heure ou deux, ça dépend. Les couettes sont faites. Bon, Chouchou, on va retourner au pré parce qu'il est vilain, il est tout saut ce soir. Oh oh. Dis donc, monsieur, il est tout vilain aujourd'hui. Hein, c'est le vent que t'es vilain comme ça? C'est le vent? Bah oui, je crois, moi. Allez, retourne au pré. Retourne au pré. Fais bisous. Fais bisous. Fais bisous. C'est bien, mon cœur. Attends, attends, maman, elle a... Oui, elle a le biscuit. Attends. Allez, file. À demain, chouchou. Demain, on monte dans le camion. Hein. Et on garde tous ses fers cette nuit. On garde les quatre fers et on monte dans le camion. Allez. Oust, monsieur. Bon, on fait tous les affaires, filet à foin et on part aux courses. Ce sac, meilleur achat de ma vie. On peut tout mettre dedans, veste, bombe, filet, stick. Moi, je mets stick, bombe, filet. Mallette et soin, ça c'est tout prêt. Brosse, c'est fait. Il reste plus que le filet à foin et mes autres affaires qui sont chez Papou et Maman. Et on est bon, je crois. Je sens qu'on oublie un truc là, ce concours c'est à la one again. Elle vient de détruire la crinière de son poney. Attends, j'ai réussi à rattraper après. Le thème que j'avais fait, bah c'est super court, mais au moins c'est là. Mais pourquoi t'as fait si court? En fait, j'ai essayé de faire un truc sympa. Toujours son poney, il a une crinière de malade en temps normal. Du coup, bah j'ai tout égalisé là, là. Ouais, donc c'est court, mais c'est... Mais tu m'as dit que tu voulais raccourcir de 2 cm de toute façon. Bah c'est ce là, 3. 4. 4 et demi. Bon, Miss Tingoute, on va aller aux courses, nous? Ouais, au moins on va pas être dans la voiture. Ouais. On a plein de trucs à vous raconter, genre vraiment plein. Là, j'ai commencé à organiser, j'ai l'impression qu'il me manque tout. J'ai tout éparpillé, genre. Moi, j'ai attendu le poney. Donc, bombe, filet à foin, filet dedans, stick, mallette de brosse, soin, le seau derrière avec une couverture au cas où. Ah, je sais ce qu'il me manque. Il manque mon seau de grain, mon tapis blanc, ma veste de concours. Je cherche les trucs les plus importants. Bon, les gars, de l'herbe. Là, t'es... Mais oui, mais Pépi, tu m'as fait un bisou. Oh. T'es d'accord pour que je te filme? Non. Non. En fait, tu supprimes ton autre blog. Tu supprimes l'autre blog. Tu supprimes tout. Les gars, il y a eu un big changement de programme. Genre énormissime, qui me met en situation de stress. Alors que là, vraiment, il n'y a pas à stresser. Il y a vraiment à stresser. Je vous explique. On devait partir de base à 5h du matin parce que notre coach devait faire sa reprise. Elle ne fait pas sa reprise. Donc, on devait partir à 7h30. Ouais. Ok, à 7h30 avec le poids lourd. Mais on ne prend plus le poids lourd et on prend le petit camion avec un van derrière. Sauf qu'on fait 2 allers-retours pour celles qui passent le matin et nous on passe à 17h. Donc départ à 13h30. Et pourquoi je stresse déjà? Je sais pas. Mais si, il y a un truc qui me stresse. C'est quoi déjà? Le chargement. Ah oui, le chargement. Parce que la dernière fois, pour ceux qui nous suivent sur Insta et qui ont vu nos péripéties en Camargue, la dernière fois que Pépite a essayé de monter dans un petit camion, le chargement a pris approximativement 4h35. Très approximatif, hein, vraiment, c'était 4h35. Je m'en rappellerai toute ma vie, ça m'a traumatisée. Et lui aussi, donc, j'ai peur du chargement demain. Mais dans le van, il monte. Oui, donc en gros, ça se trouve, tu vas juste lui présenter le van, il va monter. Et point. Oui, mais comment je... J'ai peur qu'elle monte pas dans le petit camion. Monsieur. On verra. L'avenir nous le dira. Vous verrez si demain on arrive à se rendre à Mâcon ou pas. Toi, t'as pas de problème, hein. Toi, ton moi, poney. Ton poney, il est en mode let's go. J'avais tout essayé, saut et tout, de grain. Hein. Genre un fou saut de grain. Il était là en mode non, je montrais pas. Enfin bon, maintenant on va aller aux courses pour acheter des carottes, des pommes et de la bouffe pour ce soir.
pour l'anniversaire surprise de Loan. Je vais mettre l'anniversaire surprise de Loan dans le vlog. Bon, voilà, course. Après, on rentre, on fait les filets à foin. Et les affaires, moi, j'ai rien fait encore. Moi, j'ai réuni, mais il me manque plein de trucs, parce qu'il y en a, je sais pas, pour maman. Mais aussi, tu vois, tu stresses, mais tu fais rien de pratique, genre. Pourquoi t'as pas tout amené? Je sais pas. Mais en fait, c'est juste pas d'effet du dernier concours. Genre quoi? Bah, ma veste de concours, qui est en boule dans le sac, dans mon tapis. Genre ton mini frac? Ouais. En boule dans un sac? J'ai payé 80 balles, ouais. Alors que t'as une housse? J'ai pas de housse. Mais si, t'as ton range-truc, là. Ouais, mais j'ai mis mon filet dedans. En plus, je leur dis, c'est pour ranger les vestes et je mets mon filet dedans. Bon, allez, on va aux courses, ma piousse. Let's go. J'ai ma carte bleue, non, parce que j'ai mon autre sac à main chez Papou et Mamou. J'en ai marre, putain, j'habite à tous les râteliers, ça me saoule. C'est des carottes de Camargue. Des achats vraiment, vraiment. Bon, les courses sont faites. Et là, on doit faire quoi déjà? Les affaires. Oui, les affaires. Mais moi, ils sont presque prêts. Faut graisser les affaires. Bah, t'es bonne, tu vas pas les mettre sales. Bah, non, mais je vois. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, on va graisser les affaires. La flemme. Ah, les élastiques. Flemme. Faut graisser mon petit bébé. You should be here with me. Fini de graisser ma selle, pendant ce temps-là, elle a juste plié son bonnet, genre. Et encore, genre elle a juste plié son bonnet. Bon, les gars, tout à l'heure, j'ai rangé mon filet et ma bombe dans le sac, mais en fait, il faut que j'y ressorte pour y graisser. On va faire un avant-après de ma bombe. Je sais pas si on la voit bien. Avant, et je vais la graisser. Et voilà le après. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça enlève pas les rayures, mais ça les cache. Mes grosses traces de doigts dessus demain. Et mon filet que je vais graisser. Ça, ça va être de la babine parce que j'ai pas le temps, je suis en retard. Mais c'est ça, je rigole. It's a joke. Elle va finir par me stresser. Moi, tout va bien. Mais non, mais c'est quelle heure là? Parce que je dois rentrer me doucher avant la nuit. Comment je suis ta doublure? Je suis derrière, je m'appelle pareil. Je suis ta doublure, elle m'a dit. Non, non, non. Oh non! Vas-y. Tu rallumes avant de mouiller ta lavette. Bon, les gars, on va dire que le filet est graissé parce que... Pas vous mentir. Tout est graissé, c'est bon. Maintenant, filet à foin et après, à la douche, minouche. Demain, je vais arriver avec mon pull rose, avec marqué Cupidon dans le dos, et avec mon jogging rose assorti au pull. Ah mais t'es trop cutie, on a trop hâte de te voir demain. Clairement, demain, je viens habillée en sac à crotte. Je viens avec un jogging noir et la veste de rugby de mon frère, de l'équipe de Bourgouin. C'est j'ai l'heure de la mort. De la mort qui tue. Allez, à toi l'honneur, puce. C'est bon, j'ai l'ouverture. Là, j'ai direct l'ouverture, donc j'en ai dedans. Oh, vraiment, pour moi, il faut un bac plus 8 pour faire un filet à fond. Ah non, j'ai oublié. Il est tout petit, c'est pas petit. Mais ouais, je fais rien. Mais arrête, t'es trop méchant. Les gars, je viens de graisser mes bottes. Regardez l'état. Et les filets à foin à Reggie. Ah ouais. Tout est prêt pour demain. On a tout fini pour aujourd'hui. Donc là, on rentre se doucher. Pourquoi je dis on? Je veux toujours pas me doucher avec toi. Donc je rentre me doucher et me préparer pour l'anniversaire surprise de Loan au centre équestre. A tout à l'heure. On retourne au centre équestre pour la nuit. Mes cheveux ont pas fini de sécher, mais vu le vent, ils vont bien de sécher. Mon bébé, il mange dans le pré avec ses petites couettes. Il est trop chou. Regardez, il est là mon cœur. Maë, elle m'a dit j'ai glow up. Je suis rentrée chez moi pour glow up en fait. Thank you, bah toi t'as glow down. Papa, si t'as, t'es trop belle. Cette fille est la fille. C'est la fille la plus cringe de France. Et t'as quel âge toi? 16 ans. Oh, t'as l'âge d'être ma fille. C'est la fille la plus cringe de France. Vraiment, elle est gênante. Mais gênante. 24 heures sur 24. Sur 34. Voilà. Voilà. Non, 40. Gênant, là t'es gênant. Marline, t'es prête à t'entraîner à dire surprise? Surprise!
Mais pas maintenant, quand elle arrive. I just want you to love me. I just want you to hold me. I just want you to love me. I love it when you call me baby, 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 baby. Yeah, talk with that, where you going, do it. Cause you got all the niggas in your phone too. I got people I will never go to. Petit moment love to love. Bon, allez, bye les gars, il est 23h45 et on rentre dormir parce que demain réveil à 8h pour venir ici pour la journée concours quoi. Donc à demain. Ouais, réveil à 8h pas moi. Pourquoi? Moi je me lève plus chaud là d'abord. Moi je me lève à 7h30, je suis une malade. Tu l'as pas vu? Je suis une grande malade. Les gars, pourquoi à minuit mon cheval est au portail? Genre, allô Pépite, tu fais quoi? C'est le grand jour. Bon alors, il est 9h, je vais pas tarder à aller au cheval. Je vais nourrir Pépito ce matin, comme ça il sera pas brassé pour le camion. On part à 13h30 du coup, on vous l'a dit hier, mais ce matin il faut que je pionte. Et après c'est chill, vraiment on profite de la matinée avec l'autre Maé pour se poser, discuter, passer un bon moment avant le concours sans stress, sans rien. Et après, on stressera pour les charger dans le petit camion et le van. Regardez mon petit polo Fuganza que j'ai retrouvé parce que j'ai remarqué que j'avais pas de polo à me mettre pour les concours vu que j'en fais jamais. Ça, je l'ai acheté quand j'avais 14 ans. C'était mon polo qui me portait trop chance. Je finissais toujours première de ma club 4 et de ma club 3. Je voulais vous montrer ma dégaine du jour, jogging, polo et chaussettes. Et je me changeais juste avant de partir, je pense. Bon les gars, on est paré à partir. Je pense que tout est chargé. Vous savez, hier, on a graissé nos affaires avec Maë. Normalement, en tant que personne sensée, il n'y a pas un monde où tu graisses tes cuirs et que tu les refous en plein vent. Je vous ai montré hier, mais je sais pas si on voyait bien. Je voulais juste vraiment vous remontrer l'état des bottes. Parce que du coup, je les ai graissées et je les ai gardées au pied. Bah, why not? Ça y est, j'ai pas stressé du matin. Il va falloir que je commence à stresser maintenant, non mais hello. En plus je stresse même pas pour ma reprise, c'est vraiment pour le camion, j'ai trop peur qu'il monte pas dedans et qu'on refasse un remake de la Camargue, mais pitié tout sauf ça. Maé, on s'en va là. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? On part. Est-ce qu'on a tout? Au pire, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave vu que mes grands-parents, là où je suis actuellement, habitent à peu près une minute du centre équestre. Mais il faut que je pense à cette chose oubliée avant le départ. Bah voilà, je suis même pas arrivée au centre équestre, hein. Il y a 1 minute 30 de route que je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié mes bouteilles d'eau, mon goûter. Bon, on est au centre. Les chevaux pètent un câble dans le pré. Ninou, il mange. Je vais faire mes petites affaires. C'est-à-dire juste graisser mes bottes en fait et retourner chercher mon goûter je pense. Et après je le pionte. Regardez la star qui arrive. En full pink, j'adore, c'est trop chou. Son petit pull qu'elle a cousu elle-même, Cupidon. Parce que son cheval, faut savoir qu'il s'appelle Pépito sur les papiers, mais qu'il a été renommé Cupi. C'est le bordel ici hein. Et moi je suis réveillée depuis 7h du mat. Elle, je lui dis allez on va chercher les poneys. Elle me dit attends 2 secondes. Je me réveille. Non mais par contre je suis de bonne humeur. Je suis, tu vois, y a pas de soucis. Mais je sens que faut que je me réveille doucement quoi, pas plus vite. Ben moi je suis en pleine bourre. On va chercher la bête. Petite carotte. Alors vraiment je me sens légèrement suivie hein. Genre léger, non c'est pas pour toi. C'est pour mon cheval. Nounouche, mon amour. Oh les petites couettes. Les couettes de beau gosse. Elles sont toutes défaites. Tiens mon cœur. Il a ses 4 fers donc je suis refaite. Tiens mon cœur, un bonbon. Un bonbon. Oh mon dieu, tes couettes elles sont ridicules. Oh mestier. Oh mais tu voulais faire des bisous aujourd'hui. T'étais de bonne humeur. Ah non, tu voulais des bonbons il me semblait. On va manger et on va pionter cette catastrophe.
va souffler parce qu'il n'y a pas de véhicule. Snoop Dogg is back. Il a dormi tout le long, j'ai fait les tresses vraiment. Là on va rouler les pions et il va manger pendant ce temps. Fais dodo mon amour. I love you. Voilà beauté. Des bisous. Des bisous. Des bisous. A tout à l'heure mon cœur, tu te roules pas, maman elle va manger. A toutes. Et on montera dans le camion mon amour, d'accord? Je vais manger bébé. My baby. My baby love. Oh non, le monstre arrive. Fais du bruit. YouTube et toi. C'est agréable de manger quand. Je retourne chercher Pépito près, on va bientôt partir. Le camion revient de Mâcon et on retourne à Mâcon. Enfin, il s'est pas roulé, il a encore ses pions. Donc, great. Et on va mettre les protèques et quand le camion arrive, on charge tout. Et les affaires et les chevaux. Non, mais regardez mon bébé comme il est beau pour son âge encore. Nounouche, c'est l'heure? Il est beau. Ton pion, il est vraiment marron, mais... Avez-vous fait la sieste? On y va, on y croit. Les gars, Pépite est montée en 2 minutes dans le camion. Là, je suis en transe. Tout s'est bien passé, c'est nickel. Bon, ça y est, les petits loulous sont juste derrière et on est sur le départ. Mais nos pistes, elles s'appellent Château de genre. Ouais. Genre, excusez-nous. Et si je leur fais une blague, je leur dis bonjour, je m'appelle Pépito sur Maé. Ils vont rire ou pas? Non. Il fallait se présenter au jeu. Oui. Ouais. Donc, faire ça à tous les concours, Vic. Tous les concours. T'es obligé de te présenter au concours. Ça m'a sauvé la vie. Ça sera pas. Bravo pour le sourire tout le long de la prime. Moi, je suis comme ça. On arrive. Ça y est, on est arrivé, Nounouche. On est arrivé. Vidéo devant le château. C'est le château. C'est le château. Là, ça va. Bon, ça y est les gars, je viens de me changer. On va enfiler la veste et... Oh, je suis trempée de chaud. Et on est parti. On va y aller, Nounouche. Maman, elle sait que t'es le plus fort. Maman, elle voulait te dire qu'elle était déjà très très fière de toi, mon cœur. Maman, elle est super fière de toi déjà. De tout ce qu'on fait tout le temps. D'accord, mon amour? Ouais. Fais dodo. On est prêts. On y va.
Le stress est à son comble. Allons-nous nous tromper de reprise ou sauter la lisse? Ça arrive. Sérieux, qui c'est qui pleure comme ça? Ça y est les gars, c'est finito pipo. Tout à l'heure on était premier au provisoire, mais j'étais comme une dingue, mais j'ai failli oublier de saluer. Pardon. Ça la dalle, comme si ça faisait 10 ans qu'il avait pas mangé. On regarde son amoureuse passer et après on retourne au camion pour se déceler. Bon, on retourne au camion en attendant les résultats, puis bah on verra et on récupérera nos petits protocoles. Pour voir ce qu'on a fait, Nounouche. Hein. Bon, Ninou est prêt à remonter dans le camion. Hein, chouchou, on va monter. Hein. Et après, nous, on va à la remise des prix. Ok, il est monté. Il est monté avec des grains, donc on les met dans le camion. On va vite à la remise des protocoles et on rentre. C'est bien, mon cœur, c'est sage. Ça y est, on rentre à la maison, chouchou, d'accord? Bon, c'est bon, les chevaux ont chargé. On est trop fort. Let's go à la remise des protocoles. Je suis tellement contente. 65,083. C'est 0,2 de points de moins, mais les notes étaient plus dures parce qu'on est à Mâcon. Et en plus, j'ai trouvé que j'ai fait une moins jolie reprise que au chat à Saint-Imier il y a 3 semaines. Donc je pense que je peux être fière. Ouais, pour aller saluer. Ouais. On voit, t'es rouge. Bah je sais pas, on va où? Bah, on va où en fait? Alors, le premier a écrit « Veillez à la cadator des incurvations et à la franchise des transitions poursuivez. » Cadator? Bah, je sais pas. Ah, non, au contrôle des incurvations, on dirait. Mais à la contrôle, quoi. Ah, veillez à la contrôle des incurvations. Bah oui, mais il avait peur des coins, alors ouais, j'étais en contre-incurvation tous les coins. Et deuxième commentaire, peut gagner en rondeur et en décontraction, continuez. Ah, ouais. Bah, ouais. Devine, est-ce que je travaille à la maison depuis 10 ans? De péripéties en panne sur l'autoroute, ça arrive à qui? Marie et Cindy viennent nous remettre de l'essence, nos sauveuses. Allez, ça va. Les chevaux ne bougent pas. Ouais, je pense qu'ils dorment. Ils sont super. Ouais, ils ne bougent pas vraiment, ils dorment. Ça fait peur, ça fait vraiment très très peur. On nous a mis derrière la barrière. Et il y a un monsieur de la sécurité trop gentil, un patrouilleur qui est passé là au même moment. Heureusement. Et heureusement parce que... Il a pu sécuriser en fait derrière nous avec le panneau. Pour que ouais, regardez. Il a mis le panneau de sécurité.
was waiting till the sky was falling. Held my breath till every single star had a light on my mind. I never saw it coming. Didn't think you'd wake me with a kiss. On enlève les pions, mon petit cœur. On va enlever les pions. Allez, hop, on enlève tous les pions. Hop, hop, hop. Et on retourne au pré, mon petit cœur. On retourne au pré, mon amour. Tu vas revoir tes copains. Bisous, mon fils. Maman, elle était fière de toi. Bon, ça y est, on vient de remettre les chevaux au pré. Mais quel calvaire, quelle péripétie. Là, c'est un bout, genre. Je suis toujours là. Qu'on soit rentrée, ouais. Là, je suis à bout. On est en vie, genre. Ouais, déjà, on est en vie. C'est vrai. Nos chevaux aussi. Nos chevaux aussi. Non, mais sérieux, à qui des péripéties comme ça arrivent? Bah, nous, parce qu'on papote tellement qu'on regarde pas le plein. Bref. Il est l'heure d'aller dormir, je ferai ses soins à Pépite demain parce que là il en peut plus de voir ma tronche, il peut plus me blaire le type. Donc voilà, il est reparti au pré au galop aussi avec Hussard. Donc trop content de retrouver son pré. Donc hasta la vista baby, à demain et je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle vidéo YouTube. Mais pas un vlog concours, là les concours... On va se calmer, c'est trop fatigant. Je suis dans un état mais c'est honteux. Allez, bisous. T'es ma copse. Oh le vent, ça va me saouler. T'arrêtes de faire ta tête de traumatisée là. Te vois plus. C'est bon, on te voit. Oh non, je me suis cassé un ongle. Eh, il est tout saut ce soir. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Le démêlage va faire mal ce soir. Ouais. J'ai deux os. Bon les gars. T'as mis ça là alors que c'est une voiture de prêt? Mais c'est pas une voiture de prêt, c'est de la voiture de ma maman. Ah, j'ai cru que t'avais prêté une voiture au garage. Non. Oui, parce que je l'ai pas dit à ma communauté, mais j'ai arraché un de mes rétros récemment. Ah, ça tient là? Ouais. Tant que je shoote pas un gosse. Ah, coq! Plus tard. C'est moi. Ça me réjouit. Mais pourquoi? Ah. Allez, stop. Zoup! What the fuck? Regardez, je peux faire de l'ASMR. Oh my god! Faut que je recharge le terre-terre. Vraiment, je suis ta doublure, genre je me fais derrière, je m'appelle pareil. Un peu après. Je suis ta doublure, elle m'a dit. Il y a une bête. Quoi? Quoi? Ah, Reggie! Mais ça me. J'arrive pas à passer. Pour devenir bien habillée au cheval. C'est quoi ça? C'est une étiquette, je rêve. On va souffler parce qu'il y a plein de pellicules. Bah why not. On va être à Mâcon. Bon d'accord. Bah alors ça c'est vraiment ma main hein, pour le coup. Alors on se jette pas dans le ruisseau hein. Moi la mange. Ah. Les rondelles en amas faut pas, tu perds 5%. Et on va gagner. Ouais, un jour. Un jour. Là on se met toutes les deux dans les propres. Et on dit, peu importe faire le tendu. Non, on est exéco, on est première. Et on a un flow. Ouais. Ouais, moi je veux juste un flow, je m'en fous, même si je finis 20ème, j'ai un flow, je suis trop contente.